Salut les amis, aujourd'hui nous allons écouter l'histoire qui se trouve dans Actes chapitre 8, versets 26 à 40, et le titre que c'est « Un Éthiopien à Jérusalem ». Alors c'est Philippe qui était là, il a écouté la voix de l'ange éternel qui lui a dit « Lève-toi et va vers le midi et tu prendras la voie qui va de Jérusalem à Gaza ». C'est un désert. Et finalement, lui, il obéit, il alla et il vit un chariot qui était là. Un char qui était là et il s'approcha, il a entendu la voix de l'Esprit qui lui dit « Approche-toi de ce char ». Mais il approcha le char et en s'approchant du char, il entendit quelqu'un qui était en train de lire. C'était donc un eunuque éthiopien qui était là. Il était donc eunuque, il était ministre de la reine d'Éthiopie et il était surintendant des biens de la reine. Donc finalement, comme il était en train de lire, lui, Philippe s'est approché de lui et a dit « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Et ce qu'il était en train de lire était que, donc, que comme une brebis, il était amené à la boucherie et comme un agneau qui est silencieux devant ceux-là qui vont le gorger, il était silencieux, il n'avait pas parlé. Et puis dans son humiliation, son jugement a été levé. Et il disait également que sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Et quand Philippe lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu dis, il a dit, comment vais-je comprendre à moins que quelqu'un me l'explique? Et puis finalement, Philippe en a profité pour lui partager l'évangile. Et pendant qu'il s'avançait, comme il s'avançait plus tôt, l'eunuque a vu qu'il y avait un cours d'eau. Il a dit, mais puisqu'il y a un cours d'eau là, qu'est-ce qui t'empêcherait de me baptiser? Lui, il a dit, mais puisque si tu crois dans ton cœur que tu as la conviction que c'est ça qu'il te faut, ben, il n'y a pas de problème, je te baptise. Il a dit, oui, je crois que Jésus est le sauveur. Puis finalement, ils sont allés, il l'a baptisé. Et après le baptême, l'Esprit de Dieu a enlevé Philippe de là où il était, l'a emmené à Azote, et d'Azote, il est allé, il a continué pour aller prêcher la parole de Dieu dans d'autres... Aller à Césarée, de Césarée, il allait à d'autres endroits. Et évidemment, l'eunuque était en train de chercher Philippe. Où est-ce qu'il est celui-là? Mais il était parti. Voilà la fin de notre histoire qui se trouve dans Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Le titre encore, c'est « Un Éthiopien à Jérusalem ». On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!